Bonjour Patrick Ramel. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Sud Radio. Alors cette fois, c'est pas pour une chronique juridique, mais pour une affaire belge, un cold case, l'affaire des tueries du Brabant. Déjà, de quoi s'agit-il, Patrick ? Alors déjà, je viens d'entendre sur vos ondes que demain c'est le Grand Prix de Belgique. J'espère que ce ne sera pas le Grand Prix de l'erreur judiciaire belge, parce que demain, juge d'instruction devrait rendre une décision dans cette affaire. Alors, cette affaire des cold cases, c'est ce que j'appelle une fabrication d'un cold case, parce que les autorités judiciaires sont en train de fabriquer un cold case. Mais fabriquer, ça veut dire quoi en fait ? On peut fabriquer un cold case ? Eh ben oui, ça paraît incroyable, hein, puisqu'un cold case, c'est une enquête raclée. Oui. Mais l'idée de fabriquer, ça supposerait donc une volonté de saboter une enquête. Mais c'est le cas, et je vais vous le démontrer. Ah bon, bah écoutez, on a hâte. Alors déjà, peut-être nous rappeler quand même, parce qu'on ne connaît pas forcément, ce qu'est cette affaire des tueries du Brabant. Bien sûr. Entre 82 et 85, en Belgique, essentiellement dans la province du Brabant, c'est le sud de Bruxelles, une série de braquages extrêmement violents a eu lieu. 28 personnes ont été tuées, dont des enfants. Des dizaines de personnes ont été grièvement blessées. D'accord. Alors vous êtes aujourd'hui l'avocat de quatre des parties civiles. Vous avez été longtemps magistrat, on le sait. On vous a connu ici, président de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône. Comment vous expliquez déjà votre intervention dans ce dossier ? Alors, en 1982, j'étais un jeune juge d'instruction dans le nord de la France, à Avesnes-sur-Helpe. J'avais 25 ans. C'était mon premier poste. Et puis, un matin d'août, le procureur de la République m'a saisi d'une affaire de tentative, au pluriel, de meurtre, sur des policiers de Maubeuge qui étaient intervenus sur un cambriolage en cours. Et, on le saura plus tard, c'était la première fois que cette équipe passait à l'acte avec violence. C'est une violence qui va même aller crescendo. À l'époque, on n'avait pas compris pourquoi, au lieu de s'enfuir en voiture, alors que les policiers étaient arrivés à pied, c'était à côté du commissariat, ils ne voulaient pas faire de bruit. Pourquoi ils avaient ouvert le feu sur eux ? Et donc c'était cette fameuse équipe des tueurs du Brabant, c'est ça, Patrick ? Exactement. Tous les faits qui vont suivre ont été commis en Belgique. La voiture utilisée à Maubeuge, une Volkswagen Santana bleue, avait été volée dans le Brabant flamand au mois de mai 82. Elle sera retrouvée incendiée dans un bois près Bruxelles. Après l'attaque en mai 82, en septembre 82, d'une armurerie à Wavre, donc dans le Brabant wallon. Ce jour-là, un policier sera tué, puis deux gendarmes seront blessés par balle lors de la course-poursuite avec cette voiture dont les plaques étaient françaises au départ et avaient été changées en plaques belges. Ah oui. C'était les premières victimes belges d'une longue série de vols à main armée particulièrement sanglants. Et alors, pourquoi vous êtes retrouvé, vous, dans ce dossier, Patrick ? Alors, je vous ai dit que j'avais été le premier juge d'instruction saisi de faits imputables à ces criminels. Et en fin 2021, j'ai quitté la magistrature après 42 ans de service. Et je me suis inscrit au barreau de Paris comme avocat. Et puis, le 7 août 2023, je reçois un mail. « Bonjour maître, je me présente, Jean-Pierre Adam, commissaire de police judiciaire à la retraite. » Il s'en suivra de nombreux échanges avec cet ancien policier sur les découvertes de cet enquêteur faite à l'occasion de l'affaire du trou. Oui, l'affaire du trou, forcément, qui a bouleversé la Belgique, on peut le dire. Exactement. Cette affaire a bouleversé la Belgique. C'était l'enlèvement, le viol et le meurtre de fillettes, d'adolescentes, dans les années 95. Et Jean-Pierre Adam, à l'époque, était gendarme à la cellule du trou. C'était avant la réforme des polices belges, qui, justement, est liée à cette affaire. Et il enquêtait sur la mort d'un restaurateur près de Charleroi, possiblement en lien avec cette affaire du trou. Alors, qu'est-ce qu'il va trouver à ce moment-là ? Mais il va trouver en France, en 2000, donc 18 ans après, dans les archives de la brigade de gendarmerie de Charleville-Mézières, un avis de recherche belge avec portrait robot établi le 4 octobre 82, quelques jours après l'attaque de l'armurerie de Wavre. Et cet avis se trouve dans le dossier d'un truand notoire qui faisait partie, avec son frère, de l'équipe. Tous les deux sont morts aujourd'hui. Ils étaient décrits à l'époque comme des criminels ultra-violents et antisociaux. Et les faits vont s'enchaîner. De 82 à 83, ils vont s'interrompre jusqu'à 85 pour reprendre en cette fin d'année 85. Alors, pourquoi cette interruption justement pendant presque deux ans alors ? Alors ça correspond à l'incarcération de l'un des deux frères. Ok, et ça s'arrête définitivement en 85, c'est ça ? Oui, parce que l'un des frères, le plus jeune, aurait été blessé à l'épaule lors du hold-up d'Alost, qui aura eu lieu 8 morts. C'est un hold-up où une adolescente de 14 ans sera tuée par l'un des braqueurs. Elle s'est interposée entre ce braqueur et son père en criant « Ne tirez pas, c'est mon papa ».
Le tueur de grande stature a tué le père, la mère et l'adolescente. Son petit frère a pu s'échapper. Il sera grièvement blessé. Il avait 8 ans. Et un autre père de famille sera également tué avec son enfant. Ce jour-là, la bande a échappé de peu à l'arrestation. Il faut dire que police et gendarmerie avaient vu leurs moyens considérablement renforcés, armement, police et véhicules rapides. Ouais, alors cela dit, on se dit, Patrick, si les deux frères sont morts, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui? Alors, il existe des complices qui sont bien vivants. Et puis, des investigations sont encore possibles pour établir judiciairement ce qui s'est passé exactement. On le doit aux victimes. C'est pour ça que j'ai demandé des actes complémentaires d'enquête à la juge d'instruction et qu'elle doit statuer demain, selon la loi belge. Mais elle n'a manifestement pas envie de poursuivre son dossier. Pourtant, elle a écrit sur le site officiel de la police fédérale, qui diffuse toujours les portraits robots, à ceux qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir, que l'enquête piétine, que les auteurs ne seront jamais démasqués, je leur réponds qu'un combat perdu d'avance est un combat qu'on ne mène pas. C'est elle qui parle, hein, c'est pas moi, mais je peux reprendre ses mots. Et puis, il y a toujours cette prime de 250 000 euros offerte à quiconque fournira un renseignement qui permet d'arrêter les auteurs ou de les confondre. Alors Patrick, il nous reste pas trop de temps. Pour revenir rapidement à la fabrication de ce cold case, alors hein. Eh bien, ce que j'explique, c'est une volonté. On prend une affaire qui est vivante, on la laisse reposer pendant des années, on fait même voter une loi pour modifier la prescription pour pas donner l'impression qu'on a préparé ce mauvais coup. Et puis, dans une salle prestigieuse d'un palais de justice, des magistrats à la mine très triste et sévère vous indiquent que, à toutes les parties civiles, les pistes ont été explorées et qu'il n'y a plus rien à faire, ce qui est totalement faux. Ouais, bon, on imagine que personne n'est dupe. Pour terminer, pourquoi enterrer un dossier encore vivant? Eh bien, tout simplement, c'est difficile de reconnaître qu'après Wavre, il y a eu 27 morts et des blessés graves, et qu'on aurait pu empêcher cela. C'est coûteux d'indemniser des victimes et les familles de victimes, et c'est pas facile de reconnaître une accumulation d'erreurs. Bon, en tout cas, merci beaucoup Patrick Ramel. On sent en tout cas que vous êtes au fond de vous-même. Restez magistrat d'ailleurs. Oui, j'aimerais surtout être juge d'instruction à Charleroi en Belgique. Ah bah ça, pourquoi pas. Merci en tout cas pour vos éclairages. À très bientôt.